Salut les lions, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre valable sur ce mois d'octobre 2023. Ce sera une courte vidéo qui sera en complément avec ce qui a déjà été publié sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder en tout cas. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale sur YouTube. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc j'appelle à votre bon discernement par rapport à ça. Prenez seulement ce qui fait écho avec vous. Et je vous laisse vraiment adapter par rapport à la lecture, parce que ça pourrait aussi être le lion que je pourrais décrire face à son autre. Parfois, vous avez les mêmes signes. Et en plus de ça, les énergies sont aussi tout à fait interchangeables. Voilà. Allez. Bonne écoute, les amis. Bon, bah, dis donc. Non. Il y en a beaucoup trop, je les prends pas. Allez. Pour les lions. Je suis figée et dans l'attente. J'ai une autre personne en tête. Je ne veux pas que du charnel avec toi, on va dire ça comme ça. Je te prépare une surprise. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. J'aime ta peau et ton odeur. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ton parfum est gravé dans ma mémoire. Bon. Bon, bah, cette personne, en tout cas, vous ne la laissez pas insensible. Mais elle peut être accaparée par des soucis, cette personne, parce qu'elle peut avoir ici en tête quelqu'un d'autre. Ça peut être possible, parce que c'est comme si elle était dans la figée, dans l'attente. Et qu'il y a une situation dans laquelle elle se sent soit bloquée, soit pris au piège dedans, d'accord? Et après, bon, de vous de l'autre côté, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre cette personne par rapport à peut-être à son non-agissement, par rapport au fait d'être, voilà, qu'elle bouge pas trop, qu'elle met pas trop les choses en place par rapport à vous. Ça peut être possible, d'accord? Je te prépare une surprise. Bon, ça peut être le cas hein, pour certains d'entre vous en tout cas. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Le temps peut-être qu'elle est dans le fait d'être figée dans l'attente d'une situation avec quelqu'un d'autre ici, avec lequel elle est accaparée. Elle a peur que vous rencontriez vous quelqu'un d'autre. En tout cas, de son côté, cette personne, ce n'est pas que du charnel, parce que je pense qu'elle vous aime, hein, de ce qu'on peut voir. En tout cas, vous l'avez beaucoup marqué, hein, visiblement. J'aime ton odeur et ta peau, là. C'est ton parfum qui est resté dans ma mémoire. Voilà, vous la laissez vraiment pas insensible, cette personne. On va voir, on va poursuivre la lecture. Allez. Je ne suis pas disponible. Je te désire, je te veux. Oui, de ce qu'on avait à côté. Le je ne suis pas disponible me fait penser à le je suis figée dans l'attente et j'ai une autre personne en tête. Je pense qu'elle est auprès de quelqu'un d'autre, cette personne ici. D'accord? Ce n'était pas le bon timing pour nous. Je me cache derrière les choses matérielles. Allez, on va prendre une petite dernière, cadeau. Je ne réagis pas quand les personnes te mentionnent ou parlent de toi. Ok, sympa. Ok. Allez, hop. Six de coupe. Sept de coupe. 10 de pentacle. Le 2 de pentacle. Oui, elle est vraiment dans. Elle est vraiment prise déjà, cette personne. On voit bien qu'il y a une situation financière, enfin une situation familiale hein, même. Ou alors il y a tout un clan familial. Mais pour moi, elle est déjà prise aussi, cette personne qui ressort dans ce tirage. Parce qu'elle est en train de jongler entre deux situations. Il y a aussi peut-être une question d'enfant. Alors, elle est en train d'étudier des possibilités qui peut souffrir à lui ou à elle. En tout cas, par rapport à vous, elle a beaucoup d'amour. Elle est en attente aussi de retrouver votre amour, peut-être aussi dans vos bras, cette personne. Mais effectivement, par contre, elle est prise entre deux situations. Et elle peut se cacher derrière le matériel. Alors oui, effectivement, le 10 de Pentacle, on est sur une personne qui est quand même, voilà, qui veut se réaliser ou qui a pu se réaliser financièrement, matériellement, qui peut subvenir aussi aux besoins de la partenaire, des enfants, s'il a déjà construit un foyer ou alors vraiment par rapport au clan familial. Voilà, alors on peut être sur quelqu'un aussi qui est un peu dans ce mode de fonctionnement-là aussi. Après, maintenant, par rapport à vous, ce n'était pas le bon timing parce que cette personne, elle est
Elle est bloquée là-dedans, hein, visiblement. Voilà, je suis figée et dans l'attente de se défaire de cette situation par rapport à l'autre personne. Et ça peut créer des couacs avec vous, d'accord? Parce que vous ne comprenez pas, parce que vous n'aurez pas agi comme ça. Bon, après, on est différents, hein, ça, faut le comprendre. On n'agit pas tous de la même manière. Peut-être que cette personne, elle aussi, elle est un peu dans l'illusion, un peu dans la douce rêverie, là, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui est assez doux avec la graine de coupe, qui est aussi dans la compréhension, dans la bienveillance, donc peut-être aussi par rapport à son partenaire, par rapport aux enfants, voilà, peut-être qu'elle essaie de satisfaire tout le monde, mais bon, mission impossible, j'ai envie de te dire, on ne peut pas. Il faut quand même bien trancher quelque part, mais voilà, pour l'instant, peut-être que cette personne n'est pas encore apte à le faire, mais néanmoins, l'amour est là, hein, par rapport à vous, hein, ça faut le savoir. Ok. Oui. Je regardais les cartes, je me disais, est-ce que c'est celle-là? Mais oui. Oui. Bon, là, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, hop. Allez, bah, les cartes, elles veulent parler, hein. Ça part dans tous les sens. Allez. Quel est son état d'esprit, cette personne? Son état d'esprit à l'heure actuelle? Il y a du désir, de l'envie. Même si elle est dans l'incertitude. Par rapport à l'avenir, par rapport à plus loin. Elle est dans l'incertitude, mais néanmoins, par rapport à l'envie, le désir, par rapport à vous, là, il n'y a pas de doute, hein. Elle vous veut, hein, elle vous désire fortement. D'accord? Maintenant, effectivement, peut-être que la situation dans la matière, oui, est dans cette incertitude. Fait en sorte que cette personne, elle se retrouve dans l'incertitude. Par rapport à l'avenir. Mais dans l'instant T, elle vous désire, hein, et elle vous veut, cette personne. On l'a ici, de toute façon. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ouais. Ce qui la plane dans le doute, l'incertitude, c'est peut-être par rapport à la... à ce qu'elle a pu déjà construire ici, par rapport à la famille, par rapport au partenaire. Mais en tout cas, elle n'a pas de doute par rapport à ce que vous pouvez vivre ensemble, hein, comme bonheur. Qu'est-ce qu'elle désire réellement, cette personne? Alors, ce qu'elle désire, c'est que qu'elle entreprenne certaines choses pour dépasser ici une difficulté, soit pour laisser ou abandonner quelqu'un derrière lui ou elle, mais en faisant les choses bien. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'elle est en train d'étudier toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à lui ou à elle. Et comment s'y prendre. Maintenant, ça peut être aussi cette personne qui a besoin de dépasser ici aussi une blessure de rejet ou d'abandon, et de se reprendre en main pour pouvoir réussir à délaisser peut-être quelque chose qui la met en difficulté ou qui ne lui convient plus émotionnellement. Elle peut refouler ici ses émotions, cette personne. En tout cas, le fond de sa pensée. Ou alors, elle n'agit pas encore aussi. Hein. Ça peut être ça qu'on peut montrer. Parce qu'on est dans une posture un peu de pendu. Bon, après, même s'il est inversé. Néanmoins, on reste encore dans une situation un peu bloquée. Après, le fait que nous n'arrivons pas à nous comprendre, ça peut être ça. Tant que la personne ici n'agit pas, ne met pas les choses en place, ne communique pas, ne dit pas, ne recadre pas, ne met pas de limites, etc., avec les personnes peut-être avec la personne avec qui peut-être elle n'est pas disponible par rapport à vous, vous vous sentez-vous ici abandonné ou délaissé? D'accord? Et ça crée ici ce couac, hein, entre vous.
Ça pourrait montrer ça aussi. Mais on voit aussi qu'elle a besoin de toute façon de dépasser une blessure de rejet ou d'abandon et d'entreprendre les choses. Mais sauf que j'ai l'impression qu'elle ne les acte pas encore. C'est pour ça qu'elle est dans figée dans l'attente, cette personne. Elle ne veut pas lâcher peut-être une certaine vie, cette personne, voyez. On a peut-être une zone de confort, un confort. Voilà, peut-être qu'elle ne veut pas lâcher ça encore. Soit elle ne se sent pas apte encore à le faire. Okay. Après, on est quand même sur une reine de bâton et un roi de bâton. Hein. On est sur quelqu'un qui est un élément feu. Hein. Alors, l'élément feu, on peut être sur du bélier, lion, sagittaire. Et avec la lune, on peut être sur du poisson. Ouais, bah ouais. Alors peut-être qu'elle s'accroche parce qu'elle reste figée, parce qu'elle ne met pas encore les choses en place, cette personne, pour se libérer. Il faut qu'elle arrive à cette posture de roi de bâton pour pouvoir le faire. Parce que là, elle ne s'active pas encore. Peut-être qu'il y a une blessure de rejet ou d'abandon qui l'empêche d'agir. Après, ça, on ne peut pas vouloir à quelqu'un. C'est tant qu'on n'a pas travaillé sur les blessures, on manquera de courage, d'accord? On n'arrivera pas à le faire. Et ça se fait au fur et à mesure. Hein. Donc, on ne peut pas bousculer les gens. D'accord? Malheureusement, il faudra faire preuve de patience parce que y aura pas autre chose à faire hein, dans cette posture-là, dans cette situation. Et pourquoi pas continuer aussi votre chemin, vivre pour vous et laisser à cette personne la possibilité de le faire quand elle pourra le faire. Mais vous, n'arrêtez pas de vivre. Ne restez pas dans l'attente par rapport à cette personne. En plus, on est sur un roi de coupe ici, inversé. On peut être sur quelqu'un qui peut être débordé par rapport à ses émotions, qui peut avoir du mal à gérer trop d'émotions aussi de son côté, mais qui peut se déconnecter de ses émotions, cette personne. Ça pourrait être le cas pour certains, oui. Néanmoins... elle va devoir entreprendre les choses. Et par rapport à vous, de toute façon, elle sait que vous êtes son impératrice. D'accord? C'est juste qu'elle est retardée, cette personne, hein, dans le tirage. Maintenant, on est prêt quand ça sera le bon timing, hein, c'est tout. On l'avait déjà ici. Hein. Toi et moi, ce n'est pas le bon timing ici. Hein. Ce n'était pas le bon timing. Ça viendra quand ça doit venir, parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas encore peut-être prêt à lâcher complètement quelque chose qu'elle a déjà construit ou établi. Même si ça lui prend la tête, d'accord, elle essaye d'étudier plusieurs options. Il peut avoir quand même des enfants en bas âge. Elle a besoin aussi de réflexion, cette personne, de réfléchir. Elle peut, avec un roi de coupe, elle peut facilement se couper de ses émotions, peut-être pour supporter la situation de son côté à cette personne. Ça pourrait l'être, hein, de ce que j'ai quand même dans le tirage. Mais elle vous désire, elle vous veut, ça oui, elle vous aime, ça oui. Maintenant, il faut peut-être attendre le bon timing hein, pour qu'elle puisse se défaire d'une situation. Et qu'elle travaille aussi sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir acter les choses. Voilà. Je vous laisse ici, les amis. Dites-moi en commentaire si cette lecture a fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Dans certains cas de figure, ça peut être le lion que j'ai pu décrire tout le long de cette lecture. Voilà, je préfère quand même le préciser. Allez, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.